assez bizarre ce shopping-ci, hein. Des bouteilles, pourquoi faire ? Donc j'aimerais bien faire découvrir aussi au continent africain vraiment le plaisir de déguster un vin, mais vraiment de le déguster, de savoir ce qu'on boit, savoir ce qu'on choisit, même en supermarché, hein, on peut trouver des bons vins, mais si on sait comment est-ce qu'on choisit son vin, on peut choisir un vin à très bon goût et passer un moment très agréable en famille ou entre amis. On va boire un coup entre amis alors. Waouh, chouette, sympa cette idée. Je pense même que vous allez déguster et rencontrer des talents africains présentés durant l'African Food and Wine à la Cité du Vin à Bordeaux. Quelqu'un qui a l'air de vous intéresser. Moi j'ai une question, je suis très curieuse de savoir d'où te vient cette idée, l'inspiration. Tu allais chercher ça pour customiser les vêtements. Déjà, on va nous faire un zoom sur les mannequins qui sont là avec les vêtements que vous allez voir au défilé de mode tout à l'heure. Tu peux nous expliquer d'où tu as eu ça, où tu allais chercher cette idée-là? Mais déjà au départ, hein, je suis artiste peintre, je suis plasticien en fait, hein, donc c'est des tableaux. Donc je fais des tableaux, je crée des œuvres en fait, c'est de l'abstrait figuratif que je fais. L'abstrait figuratif pourquoi ? Parce que dans mes tableaux en fait, est fondu, il y a toujours des masques qui sont fondus en fait dans mes œuvres en fait. Quoi. Et oui, j'ai commencé avec des toiles, je suis toujours plasticien. Et l'idée m'est venue aussi de travailler sur les vêtements. Comment ça se fait? Parce que bêtement comme ça, comme je vous explique souvent, j'étais en train de travailler sur mes œuvres, sur mes tableaux, j'avais un t-shirt sur moi, donc bon, bref, j'ai un peu bavardé, comme ça, avec mes pinceaux, mes couteaux, tout ça, quoi. Et tout ça, et puis l'idée m'est venue par la suite de pouvoir customiser, de pouvoir redesigner, refaçonner le vêtement, redonner une autre dimension en fait. Grabouillage. Voilà, on peut dire ça comme ça, un peu grabouillage un peu que je faisais là en peignant. Et donc oui, cette idée m'est venue, et c'est pour ça que j'appelle mes œuvres sur vêtements, en fait, ce sont des toiles ambulantes. D'où les modèles, en fait, ce sont des toiles vivantes. On va dire, voilà. Mes œuvres représentent les vêtements et vice versa, et les modèles aussi qui vont avec. En fait. Voilà, ce sont des toiles ambulantes et puis, que je remercie encore toutes ces modèles-là. Ça fait combien de temps que tu es dans le milieu de la mode? Parce que la toile, c'est vrai que c'est toujours de l'art. Bien sûr. Mais dans le milieu de la mode, ça fait combien d'années que tu es là? Parce bonne quinzaine d'années. C'est un milieu, hein, qui n'est pas vraiment facile, on le sait. Ouais. Voilà. Est-ce que tu te sens bien dedans à mixer entre des toiles et le vêtement? Tu arrives à mixer les deux? Ben oui, parce qu'en fait, les toiles et les vêtements, pourquoi? Parce que déjà, c'est un autre support. C'est pratiquement la même chose que si je travaille sur les toiles, parce qu'il n'y a pas que sur les toiles. Hein. Mon art s'appelle Caméléon Art déjà. Et le thème de mon art, c'est nomadisme artistique. C'est du nomadisme en fait. C'est le voyage, c'est le rêve, c'est la découverte, c'est l'ouverture, c'est la liberté. C'est un peu tout ça. C'est pour ça que on me dit souvent, je suis un peu atypique. Et, en fait, puis je m'inspire aussi, comme tu as posé la question tout à l'heure, par rapport à l'Afrique. Hein. Bon, déjà, moi, je suis d'origine africaine, donc camerounaise, de surcroît. Mais bon, j'ai un peu ça dans le sang, hein. Chasser le naturel, ça revient également. Donc, du coup, je transpose et je transmets tout ce que j'ai par mes œuvres, sur les œuvres. Voilà. Donc, c'est un message aussi que je fais passer, en fait. On a vu les masques tout à l'heure. Exactement, exactement. Voilà, on était en direct de la Cité de Vin à Bordeaux avec Paco, le customiseur des vêtements. Ne bougez pas. Rien ne se jette, tout se transforme, tout se récupère. On continue avec les défilés de mode et les designers. Restez scotchés. Merci beaucoup.
Waouh, mais Loulou, on est toujours à la Cité du Vin à Bordeaux. Vous voyez, je traduis parce que eux, ils ont mis le feu. Comme d'habitude. Les hommes tout mimi. Par contre, ce soir, j'ai été habillée par tout mimi. J'ai été maquillée par ces mannequins. Avec alors, je lui plaisir. Dis merci. C'est un grand plaisir. Alors, ce show, c'était un show dit à la Las Vegas, quoi. Merci. Waouh. Merci. Alors, après la Fashion Week de Lomé. Oui. Et je te retrouve. Voilà, je te retrouve à Bordeaux, Félix. Je pense que tu commences à trop suivre l'ombre de la solitude. Ça commence à m'inquiéter. Ah, ça. Alors, comment vous avez trouvé ce défilé, vous les filles déjà? Elle va parler après. Alors, c'était génial. C'était génial, t'as aimé? Tu adores la robe que tu portes? J'adore. Elle est énorme, cette robe? Tout mimi. Tout est tout mimi. Tout mimi, tout est tout mimi. Alors, tout mimi, je sais que tu es dans la mode, ça fait 3-4 ans. Voilà, 3 ans. C'est encore une jeune styliste, hein, parce voilà. Que voilà. Donc, je sais que je te fais le don, parce que je te suis un peu. Alors, qu'est-ce que tu penses de la mode en ce moment à Lomé? Bah, Lomé bouge, hein. Pas plus tard que la semaine passée, il y a eu la Fashion Week édition 2018. Cette fois-ci, j'ai pas pu participer parce que c'est septembre, c'est déjà la rentrée, voilà. Mais ça s'est bien passé, on a suivi sur les réseaux et tout ça, ça bouge, il y a des créateurs qui émergent, voilà, c'est que du bonheur, Lomé, ça bouge, ça bouge. Et comment tu as fait pour atterrir à la Maison du Vin, ici à la Cité des Vins à Bordeaux? Alors Marie, elle est où? Est-ce qu'on va trouver Marie? Marie, elle est où Marie? Marie-Louise Normand. Marie-Louise Normand n'est pas à côté, mais voilà, je dis merci à Marie-Louise Normand pour m'avoir conviée à cet événement. Merci à la Seule Attitude aussi, hein, toujours on se suit, on s'adore parce que c'est du bon, c'est du beau, et voilà. Alors j'ai vu que cette fois-ci tu as présenté une collection très riche. Oui. J'ai vu des hommes avec des costumes façon que j'aime façon là. Façon j'ai vu des hommes musclés, j'ai vu des filles avec des sawins. Ce soir j'ai tout vu. C'est Toulouse en force quoi, hein? C'est le sud, on est chaud. C'est ça. C'est la ville rose quand même, on est venu en France là. Alors je pense que cette fois-ci tu as fait beaucoup de mélange, tu as un petit cuir. Oui, j'ai toujours aimé mélanger les matières, hein, du cuir, du jean, de la soie. Moi, j'ai toujours aimé mixer le wax avec d'autres tissus insolites pour ramener le wax là où on ne l'attend pas. Parce qu'il y a des gens qui se sont bloqués sur le wax, loulou. Allez, baby fort, parce que nos amis de l'autre côté nous ont mis sur ma fond. Oui, d'accord. Donc voilà, hein, moi, je ramène le wax où on ne l'attend pas du tout. C'est pour ça que j'aime bien faire ce mélange de matières insolites parce que le wax a toujours été considéré comme le goût ordinaire, voilà, donc ce n'est plus du tout ça. On peut faire beaucoup de choses avec le goût. C'est des couleurs, ça peut se porter aussi bien en hiver qu'en été, au printemps qu'en automne, voilà, donc on est tout derrière. La Seule Attitude, vous avez vu que hein, comment ça va être l'habitude de la maison. Alors vous allez tous dire ayez la Seule Attitude. Merci, c'était magnifique. Vous avez retrouvé Marie-Louise Normand, l'organisatrice de l'événement qui défilait sur le tapis rouge. Seul, on vous laisse finir votre verre. Et vous, les loulous, vous savez quoi faire, non? Ayez la Seule Attitude sur Vox Africa. Hello, les loulous, ayez la Seule Attitude. Ayez la Seule Attitude sur Vox Africa. Sur Vox Africa. Mami.
Justine Guimba sur la Sol Attitude. Suivez Sol Attitude sur Vox Africa.